J'ai sous les yeux le nom du meilleur animateur préféré des Français. Ah, c'est toi, mon vieux, non? Et non, c'est pas moi. Bon. Oh. Malheureusement. Bah, t'es le mien, en tout cas. Merci, ça me fait plaisir. Ah. Numéro 5, c'est Julien Courbet. Numéro 4, Karine Le Marchand. Numéro 3, Nagui. Numéro 2, Stéphane Plaza. Alors, qui est le meilleur animateur selon vous? L'animateur préféré des Français, hein, Fabien. Alors, moi, je suis très embêté. J'étais persuadé que c'est Plaza. Non, c'est pas Plaza. Ah, et qui? Diane. Cyril Hanouna? Non, c'est pas Cyril Hanouna, qu'on embrasse évidemment, notre Est-ce producteur. C'est un animateur, une animatrice que tout le monde peut aimer ou c'est que chez les jeunes? Alors, tout le monde, si, tout le monde peut l'aimer. D'accord. Il est très, très connu, très populaire. Jean-Pierre Foucault? Non. Ah oui, Jean-Pierre Foucault. Yannick, le producteur, est-ce que t'as une idée? Moi, je dirais l'animateur de Question pour un champion, Samuel Etienne. Samuel Etienne, non, c'est pas ça. Il est gentil. Michel Drucker? Il est gentil. Michel Drucker, c'est pas ça. Camille Combal? Non. Non, je sais. TF1? Oui. Nico Salegas? Non, TF1 à midi. À midi. Ah, Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, eh oui. La question co. C'est mon Jean-Luluc. Qui est le chouchou des téléspectateurs avec 28% des voix. Et du coup, pour l'occasion, pour rendre hommage à Jean-Luc, on va se faire une petite question coquine et on va prendre, je vais pas dire le meilleur imitateur, je vais dire le moins mauvais imitateur de cette bande. C'est mon Fabounet qui va nous faire une petite question coquine. Sur 100 français, j'essaie de l'imiter, hein. Vous êtes prêts? Ouais, sur 100 français, combien ont déjà mesuré leur rikiki zigouigouigouigoui? Parce que vous savez qu'il n'est jamais vulgaire, Jean-Luc, hein. Il faut répondre ou tu poses juste la question? C'est une vraie question. Sur 100 français. Sur 100 français. 90. Combien ont déjà mesuré leur rikikizigouigoui Guillaume? 75. Pas mal, c'est 67. Ouais. 67 ont déjà mesuré leur chibili. Une deuxième ou pas? Mais bien sûr. Vas-y. Allez. Alors je rappelle, on n'est pas vulgaire. Hein. Sur 100 français. Combien préfère faire pompon, crac crac, boum-boum, olé olé, zing zing, le samedi soir? Ah oui, le samedi soir, c'est chaud. Ouais. Alors, 92. Diane Lair, ancienne Miss France. Bah, samedi soir, c'est comme tous les soirs, je veux dire 60. Sur 100 françaises, écoutez bien. Elles sont 45 à préférer faire pompon, crac crac, boum boum, zig zig zig, ça le soir. À faire quoi? À faire croc, pompon, crac, boum, zig zig, chibili bili, olé olé, le samedi soir. Le morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.